L'impossible horizontal. C'est un jour de nuages moutonneux au pays des jouets. Sur la grande place, Oui-Oui et Mirou ont invité à un pique-nique leur ami Monsieur Culbuto en l'honneur de son anniversaire. J'ai préparé votre dessert préféré, Monsieur Culbuto. Le gâteau aux trois crèmes. Crème anglaise, crème fouettée au beurre. J'ai évité la crème renversée. Ce n'est pas indiqué pour vous. Tu as bien raison, ma petite Mirou. Je ne me suis jamais renversée. Mirou a préparé votre gâteau. Mais moi, j'ai trouvé une bougie d'anniversaire spéciale. Mélissa en avait encore en catalogue. Une bougie d'anniversaire? Oui, oui. Regardez. À vous de souffler. Bon anniversaire, Monsieur Culbuto. J'ai sommeil maintenant. Regarde là-haut. C'est un temps idéal pour admirer les nuages et leur drôle de forme. C'est vrai. Venez vous étendre à côté de nous, Monsieur Culbuto. Vous pourrez aussi voir tout ça. Avec ça, je devrais m'incliner. Voilà. Pauvre de moi. Qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur Culbuto? Eh bien, en fait, je ne suis jamais arrivée à me mettre en position couchée. Vraiment? Même pour vous endormir? Même pour ça. Je n'arrive qu'à me balancer d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. En fait, ça peut être agréable à certains moments, mais j'aimerais bien arriver à m'étendre au moins une fois. Ah bon? Alors, essayez de regarder les nuages debout. Devine ce que je vois là-haut. C'est Mélissa qui donne du fil à retordre aux deux vilains lutins. Ça leur apprendra à essayer tout le temps de voler des choses au magasin de Mélissa. Oh, et moi, tu sais ce que je vois? Monsieur le gendarme qui circule en baignoire. Mais c'est mauvais pour la circulation. Arrêtez! Arrêtez! Au nom de la... Je vais essayer debout. Ça me fait mal au cou. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Culbuto. On va vous trouver une façon de regarder les nuages. Aujourd'hui, c'est bien votre anniversaire. Et comment? Comment faire pour trouver la solution? Faut d'abord que la question soit très claire. Comment faire avec de l'observation et de l'imagination? Tout s'éclaire. Alors, comment on fait pour aider Monsieur Culbuto? Oh, regardez, c'est Zim qui vient de renverser tous les petits guillons. Oh, j'ai trouvé! On va demander à Zim d'essayer d'aider Monsieur Culbuto à s'incliner. Viens ici, Zim. Viens, mon chien. Viens donner à Monsieur Culbuto un gros câlin d'anniversaire. Bravo! Il faudrait que Zim lui saute dessus sans arrêt pour que Monsieur Culbuto puisse rester en position couchée. Oh non, je ne veux plus de gros câlins de chien. Il faut trouver autre chose. Assez, arrêtez! Merci beaucoup d'avoir essayé mes petites balles rebondissantes, mais ça cogne un tout petit peu trop fort. Oh, pauvre de moi! Je pense que je ne regarderai jamais les nuages en face. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Je ne sais pas. Ça y est, là je sais! Là, c'est moi que je vois. Bon anniversaire, moi.
Mais si je retourne le miroir comme ceci... Oh, c'est vrai, je vois les merveilleux nuages. Oh, 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 c'est magnifique. Regarde, oui, oui, ce nuage ressemble à... Attention! Oh, 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 dites-donc, il faut que je fasse attention. Oh, 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 et ce nuage-là, oh, oh, on dirait un... Oh, 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 là, il faut que je fasse attention. Oh, et ça, regardez-moi ce nuage, c'est un... Oh, oh, ça ne marche pas. Pauvre monsieur Culbuto. Nous qui voulions lui offrir un beau cadeau d'anniversaire. Tout ce qu'il a gagné avec nous, c'est un mal de dos, une bonne migraine et enfin un coup dans la figure. Son problème est plus difficile à régler que je ne me l'étais imaginé. Quelquefois, quand on ne trouve pas une solution, il faut demander de l'aide. Monsieur Lapon, vous pouvez nous aider? De quoi s'agit-il? Nous essayons d'aider Monsieur Culbuto à rester étendu pour qu'il puisse regarder les nuages. Ah, ça c'est un drôle de problème. Ça m'intéresse. D'abord, il faudrait trouver quelque chose de très lourd pour le maintenir couché. Comme Monsieur Jumbo? Bravo, oui, oui. Ensuite, on va prendre cette corde et on va l'attacher ici comme ça, d'accord? Oh! Un... Quel bonheur, quelle joie! Ça marche, ça marche! Oh là là, oh là là, oh je vois! Là, je vois! Oh, je vois ça! Que ça craque! Oh, oh, oh là! Oh, 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 Étendu. Monsieur Culbuto, ça va? Vous n'êtes pas blessé? Je vais très bien, merci beaucoup. Vous avez eu une journée très difficile. Ah, à vrai dire, je n'en peux plus d'être toujours différent des autres personnes. Tous, vous pouvez vous étendre par terre, alors pourquoi pas moi? Il n'y a rien de mal à être différent des autres, monsieur Culbuto. Être différent, c'est excellent. Pensez à tout ce que vous faites et que les autres ne font pas. Ah oui, comme quoi? Comme de ne jamais être renversé par une rafale de vent. Et puis, de ramasser très vite un outil tombé. De ne jamais s'écorcher les genoux en tombant par terre. Plus on est différent, et plus on est original. Ah oui, mais oui, c'est bien vrai. Vous avez raison, les amis. Je suis heureux d'être qui je suis. Mais pourtant, j'aurais tant aimé regarder les nuages, au moins une fois. Et voilà, ici vous pouvez voir tous les nuages que vous voulez. Oh, 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 là, il y a un nuage qui ressemble à un lapin sur une colline. Oh, oh, et là, on dirait une belle grosse tarte aux framboiseilles. Oh, oh, et là, oh, oh, on dirait moi. Ce nuage, oh, 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 on dirait que c'est moi, il est tout rond. Oui, oui, merci à toi. Aujourd'hui, c'est le meilleur anniversaire que j'ai jamais eu.